J'ai commencé à chanter, j'ai fait un concours dans ma ville natale et j'ai capoté parce qu'il y avait comme 12 000 personnes et puis j'étais tellement importante malgré mes 5 pieds et mes lunettes, j'ai dit il faut que je continue à faire ça absolument. Et ensuite, tout de suite après, je me suis inscrite pour au chant. France m'a tellement fait prendre de place, m'a tellement fait ouvrir et m'a tellement obligée à visionner les bons bouts que je faisais et les bouts de tout ce que je n'ouvrais pas. Et il n'y a pas de secret parce que c'est la même chose que tu vas voir à la télé, c'est la même chose que les gens vont voir en spectacle. Et c'est drôle parce que tantôt, ça faisait vraiment longtemps que je n'étais pas revenue ici et je regardais mon premier poster que j'ai autographié et j'avais écrit « Si tu n'es pas toi, qui le sera? » Il y a toujours quelque chose à améliorer, il y a toujours un aspect de toi quelque chose dans l'œil que toi, tu peux pas arriver à voir toi-même et que quelqu'un d'autre voit à ta place. Si j'avais pas suivi de cours avec Prochain, probablement que, écoute, je sais pas quel parcours j'aurais suivi, mais j'étais tellement gênée, je prenais tellement pas ma place et réellement, si Prochain m'avait pas ouvert comme, je dirais même pas comme chanteuse, juste comme être humain, je pense pas que j'aurais été capable de dealer avec ce que le métier demande. Mais au monde comme fille qui voulait faire ce métier-là. Et parce que tu peux pas faire ce métier-là si t'es comme ça, si t'es gênée, il n'y a rien à faire. Tu peux le faire chez vous, puis c'est correct, mais écoute, tu vas te faire manger tout rond. Tu vas te faire manger de la laine sur le dos par tous les intervenants qui savent, mon Dieu, tellement ce que tu devrais faire mieux que toi. Et Prochain m'a donné cette personnalité-là, du moins de me faire voir plein de facettes de qui j'étais et de choisir après celle que je voulais, mais de m'ouvrir, de vous refassiez le milieu du spectacle, parce que le milieu du spectacle maintenant est fait encore de vieilles personnes qui ne devraient plus être en poste. Ça fait chanter et prenez des décisions, puis bouger les choses, puis changer les affaires et continuer à suivre des cours, mais ayez votre tête de cochon, laissez-en aussi, parce que vous savez tellement mieux certaines choses que tous les professeurs du monde ne sauront jamais. Mais moi, je veux pas.